Si être chrétien, c'est d'abord avoir la foi en Jésus-Christ, vivre sa foi, c'est aussi la mettre en pratique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois le plus simple et le plus difficile. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Les chrétiens, nous dit Jésus, se reconnaissent à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. En gros, croire, ça va avec aimer. Et comme on est incarné, l'Église nous a donné plein de choses concrètes pour nous aider à mieux aimer et à mieux vivre notre foi. Il y a des moments qui marquent notre quotidien, notre semaine ou l'année. Les dimanches, ou même chaque jour, où les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus et les catholiques vont à la messe. Les grandes fêtes comme Pâques, Noël, l'Ascension ou la Pentecôte, où l'on fête les grands moments de la vie de Jésus. Sa naissance, sa résurrection, sa montée au ciel, ou la venue de l'Esprit-Saint sur les disciples. La plus grosse fête de l'année étant Pâques, qui est précédé par 40 jours de préparation que l'on appelle le carême. Le carême, c'est le temps idéal où justement les chrétiens se rappellent pourquoi ils le sont et ils sont invités à être plus attentifs et à laisser plus de place à Dieu et aux autres, et notamment aux plus pauvres dans leur vie. Mis à part les fêtes, il y a aussi les sacrements chez les chrétiens. Ce sont les signes que Dieu nous a laissés pour manifester sa présence parmi nous. Il y a 7 sacrements chez les catholiques. Le baptême pour devenir chrétien, la confirmation pour recevoir la force de l'Esprit-Saint, l'Eucharistie pour communier à la présence de Jésus, la réconciliation ou confession pour recevoir le pardon des péchés, le mariage pour s'engager dans la vie de couple, l'ordination pour ceux qui deviennent diacres, prêtres ou évêques, le sacrement des malades pour ceux qui traversent une grave épreuve de santé. Tous ces sacrements nous aident à grandir comme chrétiens. Car la foi n'est jamais quelque chose d'acquis ou d'imposé, mais toujours un chemin de liberté pour suivre Jésus et aimer comme lui.